Avant de commander, je suis tranquille, j'appelle ma maman, je lui dis que tout va bien. Et puis, à côté de moi, il y a une meuf, elle est là, elle hurle dans son portable. Elle hurle. Comme ça. Mais débile ou quoi, elle? Je me dis, c'est un FaceTime, tu vois. Et puis, je vérifie, c'est pas un FaceTime, mais elle se filme, tu vois. Alors, je lui demande, parce que moi, j'ai pas grand-chose à foutre. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, en fait, je suis influenceuse, et là, je fais une story. Et moi, quand j'arrive à ce moment-là à Paris, je connais très peu ce métier. Pas du tout, même, influenceuse. Très peu d'influenceuses à Saint-Émilion. Très, très peu, quoi. Puis un jour, si t'as le malheur de voir une meuf dans les rangs de vigne avec du raisin, à son téléphone qui fait « Ouh, la commune !» Là, il y a Jeannot, 1m10, 110 kilos qui arrive. Bah, la sanglier, t'es bouge pas, t'es au revoir, regarde. Donc elle m'explique Instagram, elle me dit « Ouais, il faut créer un compte, et puis il faut parler à sa communauté tous les jours, faire des stories, leur dire comment vous allez, moi je vais bien, tout ça. » Donc elle me crée un compte, elle m'explique, et puis mon premier abonnement, bah, c'est elle. Mimi la chippie officielle. Ah, c'est du lourd, hein, c'est du lourd. Hein, ouais. Et puis depuis, ben, je me lève tous les matins et je tombe sur ses stories. Donc je vais vous montrer ce qu'elle fait, hein. Ça vous dit? Ben oui, y a pas de raison qu'il y ait que moi qui me tape ces merdes tous les jours. Donc on est parti, c'est parti pour vous? Oui, de toute façon, je vais le faire, c'est dans le spectacle, hein, donc je vais le faire. Ouais. Allez, c'est parti. Coucou les chippies! Hashtag no filter, hashtag avocado toast, hashtag outfit of the day. Les chippies, je me réveille ce matin, je vois quoi? 500 000 followers, je vais péter un câble! En fait, vous êtes le sang de la veine, vous êtes ma famille, il arrive quoi que ce soit à l'une d'entre vous, je me fous en l'air! Pour les nouvelles arrivantes, sachez que je ne suis pas que sur Instagram, je suis aussi sur Facebook, Snapchat, Twitter, TripAdvisor et lafourchette.com. Coucou les chippies, c'est Mimi. Ouais, je sais, quand on a écrit ce sketch, j'y croyais pas trop au début, moi. Allez, c'est parti. La voix d'influenceuse. La voix de connasse! T'en en veux plus de cette voix, d'accord? En plus, cette voix, tu l'entends que dans deux endroits. Snapchat et faites entrer l'accusé. Normalement, quand t'entends cette voix, ça fait « Oui, j'ai commencé à me travestir à l'âge de 14 ans !» Après, faut les comprendre, les influenceuses, tu vois. Faut attirer le chaland avec une petite voix mignonne pour les codes promo. Eh oui, t'imagines si elle lançait les codes promo en story avec cette voix-là? Coucou les chippies! Ah bah ça va durer une demi-heure, je les ai tous, hein! J'espère que vous n'êtes pas pressés! Bon allez, ça prend pas, ça prend pas. Ça prend pas, c'est comme ça. J'ai arrêté là parce que j'ai vu que j'avais créé deux équipes. Non, j'en ai encore plein, mais là, il y a deux équipes. Il y a ceux qui me regardent et qui font « Ah ouais, les filtres Snapchat !» Puis il y a ceux qui me regardent et qui font « On comprend rien du tout !» à ce que t'es en train de faire. Il y a des têtes qui sont comme ça dans les premiers rangs. Voilà, très bien, oui, oui. Il est bon, il est bon, hein, il est bon. On a bien fait de venir, on a bien fait de venir. Il me gêne, hein, il me gêne énormément, il me gêne. C'est marrant, ça, tu sais. On se déguise en lapin, on chie, on tire la langue, c'est marrant, ça fait. Il est complètement con, lui, hein.